Je suis dans le quartier de la Petite France à Strasbourg, je crois que ça s'appelle comme ça. On a des belles maisons à l'ancienne et comme il est tôt, il n'y a personne. Et voilà, c'est hyper agréable d'être là, si ce n'est qu'il fait un peu frais. Et je passe une nouvelle journée de travail ici avec ma collègue, je vais l'appeler comme ça, Marélie, où on va mettre les bouchées doubles pour terminer des projets de l'année et embrayer sur l'année 2024. Donc c'est toujours un coup pour moi de venir à Strasbourg et vice-versa pour elle quand elle vient à Aubernais. Mais ça en vaut la peine. C'est pas tous les jours qu'on le fait. Même si je suis un grand fervent supporter du travail en ligne, je préfère 10 000 fois travailler que en ligne que en présentiel pour la simple raison que je vais pas déménager pour travailler auprès de mon équipe et je vais pas forcer les gens de mon équipe à travailler dans ma ville et je refuse d'aller vivre dans une grande ville juste parce qu'il y a plus de talent là-bas. Donc de temps en temps on se retrouve en présentiel, c'est cool. C'est un coût à chaque fois, je m'en rendais pas compte, hein. Ça coûte 100 euros en tout et pour tout avec le repas, le trajet, le coworking, mais c'est un bel investissement. Et je profite aussi de sa présence ici à Strasbourg parce qu'elle ne sera peut-être pas là pendant très longtemps. Donc voilà, même si ça me coûte, je suis content. Et puis j'ai aimé prendre le train aussi. C'était sympa de juste prendre le train, d'être posé. Et en toute honnêteté, cet inconfort me rappelle aussi le confort d'être à la maison. Tu vois, ce matin, je suis parti à l'arrache de chez moi pour prendre le train parce que mon cerveau, il n'a plus l'habitude. Si j'ai rendez-vous à 8 heures, bah, je me prépare à moins 3. Bah non, en fait, la gare, elle n'est pas à côté. Mais l'ordinateur et le Zoom est à côté. Donc voilà, tout ça fait que j'aime bien. C'est kiffant. J'ai juste vraiment pas envie de faire ça tous les jours. Ça, c'est sûr et certain. Allez, let's go. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des habitudes. Il y a un livre qui s'appelle « Atomic Habits » de James Clear qui a été traduit je crois en français, et dans le livre il donne 4 conseils et j'aimerais te les partager. La première chose, déjà il insiste sur l'importance des habitudes, okay, que c'est les habitudes qui forgent qui on est et ce qu'on fait. Si tu as tous les jours l'habitude de manger fast food, bah, forcément à un moment ou un autre tu vas être en surpoids. Si tous les jours tu te couches à 22h, forcément le matin quand tu vas te réveiller, tu vas être frais. Donc au final, ce qu'on fait, qui on est entre autres le résultat de nos habitudes. Alors, la première chose qu'il partage, c'est l'importance des micro-changements. Alors, je ne vais pas te faire un résumé exhaustif, hein. Je vais te le faire à ma sauce avec mes idées à moi, mais c'est l'importance des micro-changements. Parfois, on a envie de faire des gros changements, n'est-ce pas? C'est « Ah, j'ai envie de perdre 10 kilos, j'ai envie de faire 1 million d'euros. » Et j'ai connu ça, hein, j'ai connu ça. Donc, il n'y a pas de critique derrière, il n'y a pas de jugement. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est l'accumulation de petits changements qui font la différence. Parce que cumuler sur l'année des habitudes qu'on ne change pas va créer un effet énorme. Par exemple, alors moi, je ne suis pas du tout végétarien. Mais si tu deviens un végétarien à 30 ans et que tu meurs à 90 ans, en 60 ans, tu as économisé, mais je ne sais pas combien de tonnes de viande et de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est beaucoup plus puissant que pendant un mois, je ne mange pas de viande ni de produits laitiers, rien du tout, tu vois l'idée. Clairement, ce n'est pas un sujet que je maîtrise, hein, mais je voulais connecter aussi à des exemples non business. La deuxième chose que j'ai trouvé très intéressante dans son livre, c'est que plutôt que de chercher à supprimer des mauvaises habitudes, essayons de les remplacer par des bonnes habitudes. Parce que le cerveau a horreur du vide. Si par exemple, encore une fois, je ne fume pas, mais je connais l'exemple, hein. Si je te dis juste arrête de fumer, arrête ton habitude de fumer, c'est extrêmement dur. Mais de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de fumeurs qui remplacent la cigarette par un chewing-gum. Qui est relativement à la cigarette une très bonne habitude. Donc plutôt que de dire on arrête de fumer, on se dit tiens, tu sais qu'il y a plein de saveurs de chewing-gum et si on testait les chewing-gums et en mangeant des chewing-gums
régulièrement, bah, l'envie de fumer s'arrête en fait. Du coup, je ne sais pas si tu as bien compris, ce n'est pas tellement l'idée de « je vais arrêter la cigarette et puis je vais remplacer par les chewing-gums », c'est « si je commence à prendre des chewing-gums, automatiquement, je vais moins fumer ». Et la troisième chose que je voulais te partager, c'était sa règle des 2 minutes. Et ça me parle énormément. C'est quand on commence une nouvelle habitude qui est compliquée, hein, parce que toutes les habitudes ne sont pas simples à mettre en place, et ben plutôt que de chercher à voir la tâche dans son intégralité et de ne rien faire parce que c'est trop grand, du genre va courir une demi-heure alors que ça fait 5 ans que tu n'as pas couru, ben c'est fais des squats pendant 2 minutes, marche pendant 2 minutes dans ton appartement. Ce serait top que tu aies un grand appartement pour que ce soit efficace, tu vois. Plutôt que de moins manger, ce serait mange des fruits pendant 2 minutes avant le repas. Comme ça, tu auras moins envie de manger autre chose. Pour le business, par exemple, plutôt que de dire il faut que je publie, que je crée du contenu, ça va me prendre des heures et des heures, hein, dans notre tête, c'est ce qu'on se dit, c'est prends 2 minutes. Ouvre ton cahier et note des idées de publication. Et en fait, en initiant ces 2 minutes, petit à petit, ça va te donner envie d'aller plus loin. Bon, puisque je suis là, autant faire ci, autant faire ça. Et ça, c'est extrêmement puissant, plutôt que d'essayer de dire « Allez, je vais courir un marathon ». Maintenant, ce que j'aimerais pas que tu perdes de vue, c'est que ça veut pas, c'est pas, et je te dis à toi, mais je me le dis à moi, c'est pas parce que tu fais des mini changements d'habitude dans ton quotidien que c'est pas ambitieux. Moi, je sais que j'assimile ça. Non, je veux faire 1 million d'euros, donc je peux pas juste faire ça. Et ben, justement, en fait. Pour faire 1 million d'euros, tu as besoin de changer des petits trucs comme ça. J'ai un pote, Johan, qui a un super business, qui se développe bien. Et lui, il me dit que c'est ce qu'il fait en fait depuis des années. Régulièrement, lui, il n'est pas du genre à faire des gros lancements, des gros changements. Et changer un peu chaque jour, un peu chaque jour, un peu chaque jour. Et aujourd'hui, il a un super business plus avancé que le mien, par exemple. Alors que moi, quand tu me regardes de loin, c'est « Waouh, Lingen, il fait des trucs de dingue, il fait des challenges, des sommets, il sort d'ailes, etc. etc. » Mais en fait, son business, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, est plus développé que le mien parce qu'il fait ces micro-changements qui sont à l'œil nu invisibles, mais qui, dans le business, apportent des grands, grands bénéfices. Voilà, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça te parle. Et tu le sais, on organise un webinaire de l'Avent le 19, on a rajouté une date. Donc, si tu es disponible le mardi 19, clique sur le lien ci-dessous. Pourquoi ? Parce qu'on va voir les 5 étapes pour devenir coach, pour lancer son activité de coach. Alors, on parle beaucoup de dev perso dans ces audios, mais ce que j'aimerais, c'est que tu puisses le compléter, l'équilibrer par du passage à l'action pour avoir des vrais résultats. Juste des réflexions, ça ne fait pas avancer. Et ces webinaires, on les a voulu plus spécifiquement pour des débutants, des gens qui ne sont pas encore coach et qui veulent se lancer dans le coaching. Donc, si ça t'intéresse, le lien est en description. Clique dessus et j'ai hâte de te retrouver le mardi 19 décembre pour ce tout dernier webinaire de l'année. Et je te souhaite le meilleur et à demain. Ciao, ciao.